Ce résumé vous est proposé par Expedia et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League. Hazard. C'était pas mal tenté ça. C'est bien réussi, Hazard encore joli. Oh la détente magnifique d'Handanovic avec ce tir du pied gauche forcément d'Asensio. C'est la première possibilité là après 3 minutes. C'était vite Thomas. Oui, et le voilà, hein, le trio, c'était Kroos et non pas Benzema ici, mais c'est Hazard qui en deux fois trouve finalement Asensio. Il a l'intelligence de jouer ce ballon assez fort. Parce que sinon il aurait été intercepté. Bonne reprise en un temps d'Asensio. Et si de nouveau on est à 3 contre 2, si ça va vite, attention avec Perisic. Il va où là Perisic? Il va jusqu'où? Il va avec Courtois? Il peut pas, là non plus. Et finalement ça va sur la barre, l'armature. Enfin bref, c'est curieux. C'est un match de dingue là. En moins de 10 minutes, on a déjà vu beaucoup de choses, Tom. Oui, avec quelques espaces assez bizarres. Regardez comme là, il est complètement seul à Kimi. Son ballon est un petit peu trop fort. Et là, Perisic, je ne sais pas s'il fait le bon choix. En tout cas, il donne un centre compliqué à gérer pour Barella. Bien joué, là. Beau duel, très beau duel, là. Et il est costaud, hein, Martinez. Il est costaud. Oh là, celui-là aussi, il était costaud, l'envoi. Vidal, ça n'a pas été dévié. C'était pas cadré, mais... Ça va vite, hein, hors conversion du côté de l'Inter, Thomas. Ouais, ça va très très vite et il fait exactement ce qu'il doit faire là, Vidal, parce qu'il n'a pas d'autre possibilité et franchement, il aurait pu surprendre Courtois, hein, avec la puissance de sa frappe. Oh là là, oh, c'est la passe, la voilà l'erreur, la voilà, et Benzema qui ouvre le score. On se le disait, qui va commettre la première erreur et qui va pouvoir en profiter? C'est le Real et Benzema. Ça, c'est quand même, Thomas, excusez-moi, mais dans le cadre d'une équipe italienne et de l'Inter de surcroît, une faute inhabituelle pour le moins. Oui, mais vous l'aviez dit juste avant, hein, c'est au premier qui fera la grosse erreur parce qu'on sentait les deux équipes qui prenaient des risques pour reconstruire. Et ici, ben, c'est une grave erreur de Hakimi, évidemment. Oh oui, oh oui. Super. Oh oui, Victor Ramos. Ah, Sergio Ramos. Quel but. Franchement, j'aimerais aussi que vous me parliez de la frappe de Kroos, Thomas. Oui, honnêtement, Ramos, il est incroyable dans les airs. Il est incroyable dans les airs. Rappelez-vous, Mönchengladbach aussi, il avait été décisif. Ça, c'est rarissime, un ballon perdu par Valverde. Young. Beaucoup trop discret dans cette première mi-temps, Young. Absolument. Ouais, ça va jouer un petit peu plus vite, là, maintenant, un petit peu plus haut. Ils savent aussi. Oh, superbe. C'est magnifique, magnifique. Mais quel but! Réduire l'écart avant la mi-temps, Lautaro Martinez vient de le faire. Mais franchement, on est dans une autre dimension footballistique, Thomas. C'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Ah oui, la déviation de Barella est extraordinaire. Attention, il s'est fait mal, hein, Lautaro Martinez. Mais cette déviation de Barella, un modèle du genre le numéro 10 de l'Inter. Alors, Mendy. Et ce qui a changé, surtout Marc, par rapport à la première mi-temps, c'est que le Real ne récupère plus de ballon haut. C'est vrai. Il joue pratiquement dans sa moitié de terrain là pour l'instant. Hein. Bonne balle, très bonne balle. Et là aussi c'est bon ça avec Perisic. La frappe et le but. Tiens. Le voilà. Mais honnêtement, à force de ne rien montrer, on se fait remonter. Oui, c'est mérité j'ai envie de dire. Parce que mais, offensivement, on ne gardait plus le ballon du côté du Real. Et on avait l'impression qu'à un moment donné, ils allaient être punis. Il y a une sorte de fébrilité encore. Hein. Je ne sais pas très bien... comment Varane l'a réagi, puis Vasquez qui est trop loin de Perisic. Là, Vasquez montre quand même un petit peu ses limites de défenseur au niveau de l'intransigeance. Oui.
Oh, elle est belle, allez, les voilà, tiens. Oh, quelle frappe. Les voilà, les deux flèches et le changement gagnant de Zidane. Voilà la réponse qu'on attendait, il n'avait plus d'excuses de la jeunesse puisqu'ils sont là depuis un an. Voilà pourquoi on a raison de dépenser autant de millions pour des gamins. Oui, et voilà pourquoi il a une patte de lapin, celui-là. Ce résumé vous a été proposé par Expedia et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.